surtout pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, on va examiner qui pourrait gagner l'euro ensemble. On va regarder les poules de tout de suite, c'est parti. Alors, on regarde les poules. La Suisse, la poule de la Suisse. Ils sont la Suisse. Suisse pour terminer meilleur troisième. Donc la Suisse pour moi c'est terminé meilleur troisième. Ils ont gagné face à la France mais avec un coup de chance, je suis pas alors. Penalty. Tiens au but, il fallait pas aller au tir au but. Après, on va sombre ou pas? Non, sombre. Après, l'Espagne. L'Espagne, eux, ils peuvent vraiment gagner l'euro. République tchèque. Sombre. Meilleur troisième. Bon, ils vont se faire éliminer face au Danemark. Danemark. Oh, m'a fait peur. Je sais pas si on l'a vu. C'est mon chat qui a sauté par la fenêtre. Oh là 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 là. Tu m'as fait la peur de ma vie. Prenez. Oui, tu veux tourner avec moi. Après, Suisse-Espagne. Pour moi, c'est l'Espagne qui va gagner. Vu ce qu'ils ont montré face à la Croatie, ils vont gagner sur les certains. Après, c'est Belgique. Belgique était terminée premier avec 3 victoires. La Belgique, l'Italie vont gagner quand même. Face à la Belgique. Après, Ukraine-Angleterre, bah, ils ont battu. J'ai pas vu le match. Je fais Ukraine, mais l'Angleterre vont gagner. Parce que même eux, ils peuvent gagner l'euro. Après, arrête, praline. Après, donc ça fait Espagne, Danemark. Donc pour moi, vu comment l'Espagne joue, c'est l'Espagne qui va aller en finale. Après, donc ça fait Italie-Angleterre. Angleterre sont très très forts, mais moi j'aime bien l'Italie. Donc l'Italie vont passer en finale. Et finale, Espagne-Italie, c'est l'Italie qui gagne. Donc je vous fais de gros bisous. Dis-moi si c'est pareil pour vous. Donc, ciao.